Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord aujourd'hui nous sommes très très fiers du bilan de la Fondation Mohamed VI des champions sportifs. C'est la première fois que nous communiquons sur nos résultats, 860 adhérents, des critères d'adhésion qui sont très très importants, minimum champion d'Afrique, nous permettant de pouvoir apporter des programmes sociaux à nos adhérents à travers la couverture médicale et sociale. Aujourd'hui 2700 membres sont couverts médicalement. Nous aidons plusieurs dizaines de membres par rapport à leur logement, mais ce dont nous sommes le plus fiers, c'est les 160 enfants de nos champions que nous aidons pour aller à l'école ou à l'université. Nous avons déjà eu 2 diplômés grâce à la fondation, il y en a 28 qui sont à l'université qui arrivent, et aujourd'hui c'est une grande fierté de voir soit la fondation mettre en place des programmes de formation pour les champions pour les aider à se réinsérer dans la vie sociale après leur parcours sportifs, soit leurs enfants être formés à travers le soutien de la Fondation. Je tiens à rappeler que tous les ans, il y a 20 pèlerins qui sont envoyés à l'Hajj grâce au soutien de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Nous tenons à le remercier, et d'ailleurs, aujourd'hui, le mouvement sportif a signé un livre d'or qui va être envoyé à Sa Majesté pour rappeler que cette initiative de Fondation Mohamed VI des champions sportifs était d'abord l'idée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc merci Majesté. Alors, en ce qui concerne le cas de Timoumi, sachez que nous avons d'excellentes relations avec Timoumi. Timoumi est un grand sportif. Nous avons contacté Timoumi au même titre que plusieurs autres champions que nous avons aidés en termes de couverture médicale et d'opération pour savoir s'il voulait se faire opérer. Et Timoumi nous a toujours dit qu'il ne pouvait pas se faire opérer tant qu'il n'avait pas l'accord de Sa Majesté. Je suis très heureux de voir que Sa Majesté a aidé et a pris en charge Mohamed Timoumi par rapport à son opération qui a réussi. Et on remercie en tant que mouvement sportif Sa Majesté pour sa sollicitude quotidienne pour le mouvement sportif. En ce qui concerne le musée, c'est une idée qui est belle. Je pense que la Fondation a fait un beau travail en éditant 3 livres jusqu'à présent. Nous avons 860 adhérents qui ont tous des maillots, qui ont tous des médailles, qui ont tous des choses à apporter à ce musée. L'idée, c'est de créer un musée national du sport pour rehausser l'histoire du sport national, qui est une histoire glorieuse du sport national. Et je pense qu'avec l'aide de tout le monde, si on a un local et l'aide du Comité national olympique et du ministère de la Jeunesse et des Sports, on peut faire quelque chose qui soit intéressant en termes de collecte, soit par l'édition, soit par l'image, soit par le témoignage, soit par l'objet de différents éléments qui retracent et qui rehaussent l'histoire du sport national. Et qui a été alloué à la Marocaine, par la Marocaine des Jeux et des Sports à la Fondation, est un budget qui a été signé dans le cadre d'une convention sous l'égide du ministère des Finances en 2011. Ce budget est de 1% des revenus de la MDJS, plafonné à 10 millions de dirhams. Finalement, sur les 8 ans, nous avons reçu 57 millions, soit une moyenne de 7 millions par an. Et ces 7 millions par an nous ont permis de redistribuer cette aide, notamment à travers la couverture sociale, l'aide au loyer, l'aide de la scolarité et les différents événements que nous organisons tous les ans. Et bien sûr, le paiement des frais de fonctionnement de la Fondation. Je voudrais juste dire à ce titre qu'en termes de gouvernance, tous les membres du conseil d'administration ont signé une charte d'éthique qui leur interdit de toucher le moindre dirham, ni de salaire, ni d'émolument, ni de frais de déplacement de la Fondation. Donc nos comptes sont transparents, ils sont certifiés par un commissaire aux comptes international qui est un grand cabinet, et nous avons toujours été certifiés sans réserve. Donc je suis aussi très très fier du niveau de gouvernance et de bonne gouvernance que nous avons au sein de notre fonds. Oui, nous sommes très ravis de la relation que nous avons avec la MDJS, qui a un rôle de promotion du sport et qui nous a aidés à financer les travaux de cette fondation.